Rebonjour aux uns, rebonjour aux unes et bonjour aux autres. Bienvenue au Centre Nautique de Schiltigheim pour ces championnats de France de plongeon des jeunes et championnats de France de plongeon élite. Édition hiver 2022. Cher public, Strasbourg, Eurométropole, siège des institutions de l'Europe, capitale de l'Alsace, siège de la région Grand Est, chef-lieu du département du Bas-Rhin, et la ville de Schiltigheim vous souhaite la bienvenue avec la Fédération française de natation, avec la Ligue Grand Est de natation, avec le comité départemental de natation du Bas-Rhin et avec le Team Strasbourg pour ces championnats de France de plongeon des jeunes et championnats de France de plongeon élite hiver 2022. Dans quelques minutes va débuter le concours éliminatoire des dames au tremplin de 1 mètre. Ce concours est composé de 9 athlètes qui exécuteront chacune 9 plongeons. Et rectification. 5 plongeons. Les concurrentes voudront bien se rassembler près du secrétariat pour que nous puissions débuter cet événement à l'heure et pour la présentation protocolaire. Cher public, il vous est précisé que pour l'épreuve de finale qui se déroulera un petit peu plus tard dans la soirée, à partir de 17h, le live de la chaîne YouTube de la Fédération française de natation englobera en plus des commentaires de votre serviteur, des commentaires de notre consultant local Alexis Gendard. Pour rappel, le concours des dames finale se déroulera à 17h, tandis que les concours des messieurs au tremplin de 1 mètre en finale également se déroulera à 18h. Quelques instants de patience, s'il vous plaît. Nous sommes obligés de démarrer ce concours à l'heure, même si tout le monde semble prêt autour de vous. Défilé protocolaire pour ce concours élite des dames au tremplin de 1 mètre. Et on les encourage par quelques applaudissements, s'il vous plaît.
On n'entend pas beaucoup d'applaudissements dans les tribunes. Pour ce concours élite dame éliminatoire, plongeons et partirons dans l'ordre. Zoé Jules de l'Olympique Nice Natation. Michel Heimberg de Lausanne Natation, de nationalité suisse en qualité d'invité. Jade Gillet de la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Morgane Herculano, du Red Star Club de Montreuil. Caroline Lecoeur, du Lyon Plongeon Club. Lilou Balin, de la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Kaliona, du Crew Murinova, de l'Olympique Nice Natation. Naïs Gillet, de la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Et Madeline Cocos, de Lausanne Natation, de nationalité suisse, en qualité d'invitée. Merci, mesdemoiselles. Pour ce concours, voici la composition du jury. Juge arbitre, monsieur Daniel Azorine, qui est placé juste à côté des tremplins de 1 mètre. Juge numéro 1, monsieur Gérard Rieux. Juge numéro 2, monsieur Alexis Coquet, toujours à notre droite. Juge numéro 3, madame Katia Mazanik. Juge numéro 4, monsieur Benoît Suzanne. À notre gauche du secrétariat, la vôtre aussi, juge numéro 5, monsieur Cyril Oumetchkan. Juge numéro 6, monsieur Bernard Pierre. Et juge numéro 7, madame Isabelle Coquet. Aux ordres du juge arbitre, monsieur Azorine, vous pouvez faire démarrer ce concours des éliminatoires des dames au tremplin de 1 mètre quand vous voulez. Ah bien, on est pas mal, Yannick. Début du concours. Première série de plongeons. Zoé Jules de l'Olympique Nice Natation. Double saut perru et demi avant, groupé. Deux, 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 quatre, trois et demi, deux et demi, trois et demi. Michel Heimberg, de Lausanne Natation, de nationalité suisse. Saut perru et demi retourné, carpé.
8, 7 et demi, 7 et demi, 6 et demi, 7, 7 et demi, 7 et demi. Jade Gillet, de la vie au grand air de Saint-Maur, saut périlleux et demi avant avec une vrille. Le plongeon est exécuté en position libre. Six et demi, cinq et demi, sept, six et demi, six et demi, six et demi, cinq et demi. Morgane Herculano, même plongeon. Voici les notes pour la plongeuse du RSC Montreuil. 6, 6, 6 et demi, 6 pour chacune des autres notes. Caroline Lecoeur du Lyon Plongeon Club, saut périlleux et demi retourné, groupé. Quatre, cinq, cinq, six, cinq, cinq et demi, cinq et demi. Lilou Balin de la vie au grand air de Saint-Maur. Même plongeon, exécuté en position carpée. Six, cinq et demi, six, sept, six et demi pour chacune des autres notes. Caliona Ducrou Murinova de l'Olympique Nice Natation. Double saut périlleux et demi avant, groupé. Un et demi, un demi, un et demi, deux et demi, un, deux. Naïs Gillet, de la vie au grand air de Saint-Maur. Saut périlleux et demi retourné, carpé. Sept, 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 sept et demi, sept et demi, sept. Madeleine Cocoz, de Lausanne Natation, de nationalité suisse. Même plongeon. Six et demi, six et demi, six et demi, sept pour chacune des autres notes. Deuxième série de plongeons. Zoé Jules, saut périlleux et demi arrière, carpé.
un et demi. Michel Heimberg. Double saut, pirouette et demi, avant carpé. Sept et demi. Jade Gillet. Même plongeon. Six et demi, sept. Morgane Herculano, même plongeon. Cinq et demi, six. Caroline Lecoeur, même plongeon. Trois et demi, quatre. Lilou Balin, saut pirouette et demi arrière, carpé. Quatre et demi, cinq et demi, six et demi, six. Kaliona Ducrou Murinova, même plongeon. Deux et demi, trois, cinq, quatre, trois. Rectification pour les notes. Un, deux et demi, trois, cinq, quatre, quatre, trois. Naïs Gillet, même plongeon. Quatre et demi, six, cinq et demi, cinq. Madeline Cocoz, saut périlleux et demi renversé avec une demi-vrille. Le plongeon est exécuté en position libre.
6, 6 et demi, 7, 6 et demi, 6, 6 et demi, 6 et demi. Troisième série de plongeons, Zoé Jules, saut périlleux et demi renversé, groupé. Quatre et demi, quatre et demi, cinq et demi, quatre et demi, cinq, quatre, cinq. Michel Heimberg, saut périlleux demi arrière, carpé. Sept, sept et demi, six et demi, sept et demi pour chacune des autres notes. Jade Gillet, même plongeon. Cinq et demi, six, 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 cinq et demi, six et demi. Morgane Herculano, même plongeon. Cinq et demi, six et demi, six et demi, cinq et demi, six, cinq et demi, six et demi. Caroline Lecoeur, même plongeon. Quatre, quatre, quatre et demi, quatre et demi, quatre et demi, quatre, cinq. Lilou Balin, saut périlleux et demi renversé, groupé. Six, cinq, 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 cinq et demi, cinq et demi, cinq. Kaliona Ducrou Murenova, même plongeon. Trois et demi, quatre, quatre et demi, quatre et demi, quatre et demi, quatre, quatre. Naïs Gillet, même plongeon, exécuté en position carpée. Thank you.
6, 7 et demi, 6, 7, 6, 6, 7. Madeline Cocoz, saut périlleux et demi arrière, carpé. Cinq et demi, six et demi, cinq et demi, six, six, six et demi, six. Quatrième série de plongeons. Zoé Jules, saut périlleux demi, retourné, carpé. Quatre, quatre et demi, quatre et demi, quatre et demi, trois et demi, quatre et demi, quatre et demi. Michel Heimberg, saut périlleux et demi renversé, carpé. Sept et demi, sept et demi, sept et demi, sept et demi, six et demi, sept, sept et demi. Jade Gillet, même plongeon. Six et demi, sept et demi, sept et demi, sept pour chacune des autres notes. Morgane Herculano, même plongeon. Cinq et demi, six et demi, six, six et demi, six, six, cinq et demi. Caroline Lecoeur, plongeon renversé, carpé. Unanimité du jury, 5 pour chacune des notes. Lilou Balin, saut périlleux et demi avant avec une vrille. Le plongeon est exécuté en position libre. Quatre et demi, cinq et demi, six, cinq et demi, six et demi, quatre et demi. Kaliona Ducrou-Murinova, saut périlleux et demi retourné, carpé.
5, 4 et demi, 5, 6 et demi, 5, 5, 4. Naïs Gillet, même plongeon. Sept, six et demi, six et demi, six et demi, sept, sept, six et demi. Madeline Cocose, saut périlleux et demi renversé, carpé. Sept, 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 six et demi, sept, sept. Cher public, vous disposez d'un classement intermédiaire à l'issue de cette quatrième et avant-dernière série de plongeons. Les numéros entre parenthèses désignent les athlètes de nationalité suisse. Reprise du concours pour la cinquième et dernière série de plongeons. Zoé Jules, saut périlleux et demi avant avec une vrille. Le plongeon est exécuté en position libre. Cinq et demi, cinq et demi, cinq et demi, six, cinq, cinq, cinq. Michel Heimberg. Saut périlleux et demi renversé avec une vrille et demi. Le plongeon est exécuté en position libre. Six et demi, sept, six et demi, six et demi, six, sept. Jade Gillet, saut périlleux et demi retourné, carpé. Six, six, six et demi, six, sept, six et demi, six et demi. Morgane Herculano, même plongeon. Cinq, six, cinq et demi, cinq et demi, cinq et demi, cinq, six. Caroline Lecoeur, saut périlleux et demi avant avec une vrille. Le plongeon est exécuté en position libre.
6, 6, 5 et demi, 5 et demi, 5 et demi, 6, 5. Lilou Balin, double saut périlleux et demi avant, exécuté en position groupée. Sept, six, six, six et demi pour chacune des autres notes. Calionnade du crew Murinova. Saut périlleux et demi arrière avec une vrille et demi. Le plongeon est exécuté en position libre. Deux et demi, un et demi, deux et demi, deux, 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 un et demi. Naïs Gillet. Double saut périlleux et demi avant, carpé. Six et demi, six et demi, sept et demi, six et demi, six et demi, sept, sept. Dernier plongeon pour ce concours, Madeline Cocoz. Même plongeon. Six, six et demi, six et demi, six, six, cinq et demi, sept. Fin du concours, dans quelques instants, les résultats. Voici les résultats obtenus à l'issue de ce concours du tremplin de 1 mètre éliminatoire. En première position dans le classement global, termine première Michel Heimberg de Lausanne Natation. Suivi en deuxième position dans le classement global de Madeline Cocoz de Lausanne Natation. Dans le classement français, termine première, Jade Gillet. Derrière les deux plongeuses précédentes avec 231 points. Deuxième position, Naïs Gillet. Les deux plongeuses sont de la vie au grand air de Saint-Maur. En troisième position, du Red Star Club de Montreuil, Morgane Herculano. Suivi de Lilou Balin de la vie au grand air de Saint-Maur. Avec 200 points 35. Cinquième position, Caroline Lecoeur du Lyon Plongeon Club avec 154 points 20. Sixième, Zoé Jules de l'Olympique Nice Natation avec 124 points 25. Et septième, Calionnade Ducrou Murinova avec 109 points 85. Un minimum de points étant requis pour effectuer la finale des dames sont qualifiés. Michel Heimberg,
de Lausanne Natation. Madeleine Cocos de Lausanne Natation. Jade Gillet de la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Naïs Gillet de la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Morgane Herculano du Red Star Club de Montreuil. Lilou Balin de la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Et Caroline Lecoeur du Lyon Plongeon Club. Cher public, ainsi que c'est indiqué sur le live de la chaîne YouTube de la Fédération Française de Natation, le prochain concours qui débutera à 16h sera celui des éliminatoires des messieurs au tremplin de 3 mètres. Chers publics, pour rappel, si vous voulez vous familiariser avec les règlements techniques du plongeon international appliqué au règlement du plongeon français, vous disposez sur l'App Store, exclusivement pour le moment, pour les personnes qui disposent d'un iPad ou d'un iPhone, d'une application qui s'appelle Diving Rules en français, des règlements du plongeon ainsi que d'une simulation de questionnaire pour vous préparer éventuellement aux examens de juges régionaux et nationaux. Chers publics, pour rappel et pour information, les prochains concours seront donc à 16h les éliminatoires du tremplin de 3 mètres des messieurs, suivi de la finale du tremplin de 1 mètre des dames à 17h, ainsi que la finale du tremplin de 3 mètres des messieurs qui se passera à 18h. À 18h30, nous prévoyons la fin de cette première journée des championnats de France de plongeon hiver 2022. Nous vous donnerons rendez-vous, bien entendu, dès demain, samedi 5 février 2022, pour les minimes filles et les minimes garçons au tremplin de 3 mètres. Ce concours commencera à 9h30. Suivi à 10h des cadets et des cadettes au tremplin de 3 mètres, puis à 11h30 des éliminatoires au tremplin de 1 mètre des messieurs. À 15h, éliminatoire au tremplin de 3 mètres ainsi que le haut vol des dames. À 16h, la finale du tremplin de 1 mètre des messieurs. À 17h, la finale du tremplin de 3 mètres et le haut vol des dames. Et demain, à 18h, l'éliminatoire du plongeon synchronisé au tremplin de 3 mètres des dames et des messieurs. Cette manifestation s'achèvera le dimanche par les concours des poussines et des poussins avec les Benjamines et les Benjamins au tremplin de 1 mètre qui débutera à 9h30. À 10h15 sera suivi par le concours des minimes garçons et des minimes filles au tremplin de 1 mètre. Et à 11h, vous aurez le plaisir d'assister au dernier concours de cette manifestation nationale. La finale de plongeon synchronisée au tremplin de 3 mètres des jeunes, des dames et des messieurs. Nous vous invitons à faire le maximum de publicité pour ce sympathique événement d'un sport rare qui a la chance d'être représenté dans la capitale de l'Alsace. À venir nombreux et nombreux dès demain, encourager nos jeunes athlètes. À tout à l'heure.
was giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart.
Le jury des éliminatoires, messieurs, en place, s'il vous plaît. Le jury de la compétition éliminatoire, messieurs au tremplin de 3 mètres, en place, s'il vous plaît. Présentation du concours éliminatoire, messieurs, au tremplin de 3 mètres.
plongeront et partiront dans l'ordre pour cette compétition. Guillaume Dutoit, Lausanne Natation, de nationalité suisse. Deuxième, Noah Burkhardner, Lausanne Natation, de nationalité suisse. En troisième, présentation des éliminatoires messieurs au tremplin de 3 mètres. Plongeons et partiront dans l'ordre. Noah Baumgartner, Lausanne Natation, de nationalité suisse. Cyprien Ménessier, du Lyon Plongeon Club. Gwendal Bisch, du Team Strasbourg. Jules Bouillet, du Lyon Plongeon Club. Et Thibaut Bucher, Lausanne Natation, de nationalité suisse. Juge arbitre, M. Boussard. Juge numéro 1, M. Pierre. Juge numéro 2, Mme Coquet. Juge numéro 3, M. Suzanne. Juge numéro 4, M. Coquet. Juge numéro 5, Mme Mazanik. Juge numéro 6, M. Oumeshkan. Et juge numéro 7, M. Rieu. Aux ordres du juge arbitre pour le début de la compétition. Premier plongeon, Noah Baumgartner. Double saut périlleux et demi avant avec une vrille en position carpée. Et demi, 4, 4 et demi, 4, 3 et demi, 5 et demi, 3 et demi. Cyprien Ménessier, double saut périlleux demi arrière en position carpée. Cinq et demi, cinq et demi, six, six, cinq et demi, cinq et demi, cinq. Gwendal Bisch, double saut périlleux demi arrière, carpé.
6, 6 et demi, 6 et demi, 6 et demi, 6, 7, 5 et demi. Jules Bouillet. Triple saut périlleux et demi retourné, groupé. Cinq, 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 quatre et demi, quatre et demi, quatre et demi, quatre et demi. Thibaut Bûcher, double saut périlleux et demi retourné, carpé. Sept, six, six et demi, sept, six, six et demi, cinq et demi. Deuxième série de plongeons. Noah Baumgartner, triple saut périlleux demi, avant, carpé. Quatre et demi, quatre et demi, quatre, quatre et demi, quatre, quatre. Cyprien Mencier, double saut périlleux et demi renversé, carpé. Cinq, cinq et demi, six, cinq et demi, cinq et demi, cinq et demi, cinq et demi. Gwendal Beach, triple saut périlleux et demi, avant, carpé. Sept et demi, huit, 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 huit. Jules Bouillet, triple saut périlleux demi, avant, carpé. Sept, six et demi, sept, 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 six. Thibaut Bûcher, triple saut périlleux demi, avant, carpé. Quatre, quatre et demi, six, trois et demi, cinq, cinq, quatre et demi. Troisième série de plongeons. Noah Baumgartner, double saut périlleux demi, arrière, carpé.
5, 4 et demi, 5 et demi, 5, 4, 5 et demi, 5 et demi. Cyprien Mencier, double saut périlleux demi avant avec une vrille en position carpée. Et demi, 7, 6, 6 et demi, 6 et demi, 6, 6 et demi. Gwendal Biche, double saut périlleux et demi renversé, carpé. Cinq et demi, six et demi, sept, six et demi, six et demi, cinq et demi. Jules Bouillet, double saut périlleux demi arrière, carpé. Et demi, 8, 7, 8, 7, 7, 7. Thibaut Bûcher, double saut périlleux demi arrière, carpé. Quatre, quatre, trois et demi, trois et demi, trois et demi, trois et demi, trois et demi. Le classement intermédiaire à l'issue des trois premiers plongeons est affiché. Quatrième série de plongeons. Noah Baumgartner, double saut périlleux et demi renversé, carpé. Quatre, trois et demi, trois et demi, trois et demi, deux et demi, quatre, trois et demi. Cyprien Mencier, triple saut périlleux demi, avant carpé. Sept, sept, six et demi, six et demi, six et demi, six, sept. Gwendal Biche, saut périlleux et demi renversé avec trois vrilles et demi en position libre. Sept, sept, six et demi, sept et demi, huit, sept, sept et demi. Jules Bouillet,
saut périlleux et demi renversé avec trois vrilles et demi en position libre. Huit et demi, sept et demi, huit et demi, huit, huit, huit. Thibaut Bûcher, double saut périlleux demi renversé en position groupée. Trois, deux, 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 deux et demi, trois. Cinquième série de plongeons. Noah Baumgartner, double saut périlleux et demi retourné, carpé. Six et demi, six et demi, six, six, cinq et demi, six, cinq et demi. Cyprien Mencier, double saut périlleux et demi retourné, carpé. Six et demi, six et demi, six et demi, six et demi, cinq et demi, cinq et demi, six et demi. Gwendal Biche, double saut périlleux demi retourné, carpé. Sept, 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 sept et demi, sept et demi, huit, sept et demi. Jules Bouillet, double saut périlleux et demi renversé, carpé. Thibaut Bûcher, double saut périlleux et demi avant avec une vrille en position carpée. Six et demi, cinq et demi, six, cinq et demi, six et demi, sept. Sixième et dernière série de plongeons. Noah Baumgartner, saut périlleux demi renversé avec deux vrilles et demi en position libre.
6 et demi, 5 et demi, 6 et demi, 5 et demi, 6 et demi, 6 et demi, 6. Cyprien Mencier, double saut périlleux demi, avant carpé. Partout. Gwendal Bich, double saut périlleux et demi, avant avec deux vrilles en position carpée. Quatre et demi, quatre, trois et demi, quatre et demi, quatre et demi, trois et demi. Jules Bouillet, double saut périlleux demi avant avec deux vrilles en position carpée. Sept et demi, six et demi, sept et demi, huit, huit, six et demi. Dernier plongeon du concours, Thibaut Bucher. Double saut périlleux demi avant avec deux vrilles en position carpée. Quatre et demi, trois et demi, quatre et demi, quatre, quatre et demi, quatre et demi, quatre. Fin du concours. Résultat des éliminatoires messieurs au tremplin de 3 mètres. Premier, Jules Bouillet, 408 points du Lyon Plongeon Club. Deuxième, Gwendal Bich, Team Strasbourg. 373 points, 65. Troisième, Cyprien Ménessier, Lyon Plongeon Club, 328 points, 40. Quatrième, Noah Bourgartner, Lausanne Natation, 260 points, 35. Et cinquième, Thibaut Bucher, Lausanne Natation, 249 points, 80. On va voir. Les cinq concurrents ont réalisé les minima pour participer à la finale. Merci. Prochain concours à 17h par la finale dames au tremplin de 1 mètre. Thank you.
cher public, comme indiqué tout à l'heure, le prochain concours, à savoir la finale des dames au tremplin de 1 mètre, débutera à 17h. Tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien du tout.
Oui. Test de micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. C'est parfait. Oh, yeah.
numéro. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Alexis Gendard. Je serai là pour commenter cette finale du 1 mètre des dames. J'ai l'honneur et le plaisir de le faire. Voilà, c'est une chance pour moi. Et puis voilà, je suis très content. Après 2 ans sans championnat de France, on a l'occasion de pouvoir retrouver nos plongeurs et nos plongeuses en 2022. Donc voilà, nous allons donc accueillir nos 7 finalistes de la finale du 1 mètre qui aura lieu dans quelques minutes. La présentation des concurrentes va bientôt débuter. Pour information, faut savoir qu'il y aura donc 7 finalistes dans cette finale. Il y avait la possibilité d'avoir 8 athlètes. Cependant, il y avait un quota de points minimum à aller chercher, qui était de 140, il me semble. Malheureusement, la dernière qualifiée n'a pas obtenu ce quota, donc elles ne seront que 7 au lieu de 8 dans cette finale. Vous avez donc une vue sur l'ensemble de la piscine et de ses installations. Le concours aura lieu à droite de votre écran à la hauteur de 1 mètre sur les deux planches du fond. L'angle de vue sera le suivant. Voilà, exactement. Parfait. Eh bah super. Donc pendant cette finale, moi je commenterai tous les plongeons. Je vous présenterai les athlètes. Elles vont être 7 à se présenter. Elles vont partir dans l'ordre inverse des qualifications qui ont eu lieu juste avant, il y a une heure. Alors dans cette finale, nous aurons 7 athlètes, dont 2 athlètes suisses qui sont là en tant que représentants de leur pays, mais vu que c'est un championnat de France Open, elles ont le droit d'y participer. Il y aura donc 2 classements, un classement international et un classement national. Dans le lot, nous avons une athlète qui a moins de 18 ans et donc qui sera classée dans la catégorie junior. Nous aurons donc 3 podiums pour cette finale. Zoé, Jules et Caliona du coup Mourinho ne seront malheureusement pas dans cette finale car il n'y avait que 8 places et il y avait aussi un
il y avait aussi un quota de points à aller chercher qui était de 150. Et donc, elles ne l'ont pas accédé. Elles ne l'ont pas réalisé. Donc, elles ne seront pas dans cette finale. Ça va, tranquille. Si c'est le suivantier, mon compte posé. Non, tu touches pas mon téléphone. Ça y est, mon amant, il adore. Mon amant, on a des trucs, t'as vu pas trop. Des championnats de France de plongeon jeune et vite open. Édition hiver 2022. Les concurrentes vont donc se présenter à vous. Il faut savoir qu'il y aura donc 7 juges pour cette compétition. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Sur les 7 juges, il y a 2 notes, il y a 4 notes qui vont sauter et il y en a 3 qui vont rester. Les 2 notes les plus hautes vont s'en aller et les 2 notes les plus basses aussi. Ils vont être notés de 0 à 10 et il y aura un total de 3 notes restantes. Elles vont être cumulées. On va les additionner en fait. Et on va les multiplier par le coefficient du plongeon. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Parce que là pour l'instant il n'y a pas de plongeon qui sera affiché. Et on va essayer de décortiquer tout ça. Donc les plongeuses arrivent. Nous aurons aujourd'hui 3 clubs français représentés dans cette finale, ainsi que 2 plongeuses suisses. Donc Caroline Lecoeur, membre du Lyon Plongeon Club, une ancienne plongeuse internationale. Lilou Balin, une nouvelle plongeuse qui a fait ses débuts dans le plongeon il y a maintenant 2 ans, qui a intégré l'INSEP et qui fait ses premiers championnats de France en tant que dame. Naïs Gillet, une plongeuse internationale qui rentre des championnats du monde de cet étant en fin 2021. Jade Gillet, spécialiste du 10 mètres, qui participera à la finale du 1 mètre. Et nous allons terminer avec nos 2 plongeuses suisses, Madeleine Kokoz et Michelle Heimberg, qui sont 2 internationales. Michelle Heimberg qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et qui a terminé à la 11e place. Elle est aussi médaillée européenne, donc il y a du gros niveau. Nous allons passer à la présentation du jury. Donc il y aura un jury numéroté de 1 à 7 avec un juge arbitre. Nous allons commencer le concours avec Caroline Lecoeur. Caroline Lecoeur qui a donc terminé à la dernière place qualifiée en finale et qui donc
débutera ce concours en première position. Comme vous le voyez, il y a deux planches de 1 mètre. En dessous, vous pouvez voir un jet. Le jet, en fait, il est là pour faire bouger l'eau parce que les plongeurs, en fait, ont besoin de points de repère. Ils effectuent leurs acrobaties, en fait, en regardant tout leur environnement. Et donc, l'eau doit être un petit peu en mouvement parce que sinon, on voit le fond de la piscine et ça fausse la hauteur à laquelle on saute. Donc, Caroline va commencer. Ok, bien. Un départ un peu lent. Vous voyez, elle a eu du mal à finir sa figure. Le plongeon reste relativement bien, il est moyennement réalisé. Mais voilà, on est sur des notes de 5, 5,5. Uniquement les notes qui sont en couleur blanche, pas celles qui sont grisées, seront retenues pour la note finale. Lilou Balin. Donc Lilou Balin qui participe à une de ses premières compétitions chez les dames. Au championnat de France. Un très grand potentiel. Elle est en train de le travailler, donc elle est à l'Institut National. Oui, super. Très bonne finition. Voilà, donc là, il y a de la hauteur. Il manque un petit peu de confiance dans la position carpée. Voilà, au plongeon, il faut savoir qu'il faut vraiment marquer les positions dans lesquelles on se retrouve. C'est très bien. C'est un bon début pour Lilou. Morgane Herculano qui vient d'intégrer le club du Red Star Montreuil, licenciée depuis très peu. Elle fait des études à Harvard aux États-Unis. Elle vient d'arriver en France. Allez Morgane. Bien, voilà, très belle finition. Voilà, le plongeon est correctement réalisé. Malheureusement, elle était un petit peu à droite de la planche. Ça va lui coûter un petit point ou deux. Non, c'est très bien, c'est très bien. Naïs Gillet, donc elle revient des championnats du monde qui avaient lieu à Kiev. Elle a terminé à la 7e place à 1 mètre et elle avait participé aux championnats d'Europe senior l'année dernière et c'était sa première compétition internationale. Elle a même réussi à se faire une place en finale, donc Naïs Gillet, bon espoir pour l'équipe de France féminine. Wow, allez, alors il y a une très bonne hauteur, c'est impressionnant. Voilà, il manquait un peu de finition. Voilà, la finition n'était pas forcément là parce que le corps était peut-être pas assez gainé. Maintenant, elle compense avec sa hauteur, sa puissance. C'est une fille qui est très puissante et qui montre de quoi elle est capable, surtout dans les moments qui sont importants. Jade Gillet, donc je le disais, la spécialiste du 10 mètres qui participe donc à cette finale du 1 mètre et qui a fini 3e aux épreuves éliminatoires. Allez, Jade. Voilà, Jade a des très grandes qualités d'entrée à l'eau et est très élégante en l'air. Ouais, super. Alors vous n'y verrez pas mieux malheureusement sur l'écran, il manque des lumières dans la piscine et il y a un peu de contre-jour. Donc je vais essayer de vous décrire un peu au maximum ce qui se passe, même si moi non plus je ne vois pas grand-chose. Notre première athlète suisse représentée sur cette planche. Plongeon et demi-retourné carpé. Voilà. Pareil, une très bonne hauteur. On a un petit peu la tête basse, mais voilà, un plongeon correctement réalisé. Il faut savoir que le 1 mètre... il est difficile de prendre de la hauteur, surtout dans les épreuves féminines. Les plongeons seront souvent les mêmes. On sera bridé à partir d'un certain moment.
Et donc souvent dans ce cas de figure, on va retrouver en fait des filles qui vont se retrouver à des totaux de points qui sont très proches. Donc ça va être un petit peu la guerre dans cette finale normalement s'il n'y a pas trop de grosses boulettes. Michel Leimberg, son premier plongeon, donc finaliste des derniers Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Excellent, excellent. Voilà, il y a une vraie hauteur, il y a une vraie maîtrise du plongeon. Il manque un petit peu de finition, je pense. Quand je parle de finition, je parle de l'entrée à l'eau. L'entrée à l'eau n'est pas très nette, mais voilà. Michel a déjà prouvé à maintes et maintes fois son niveau et sa capacité à être très sereine sur une planche, et ça se ressent dans les notes du jury. Nous attaquons donc le deuxième tour de cette finale. Allez Caroline, elle va exécuter un double saut périlleux et demi avant en position carpée. Un peu de déséquilibre. Voilà. Le plongeon a eu un petit peu de mal à se terminer parce qu'elle était en déséquilibre vers l'avant. Il est difficile d'aller prendre de la hauteur. Elle s'est déchirée, elle est jusqu'au bout de son plongeon. Elle n'a rien lâché, donc félicitations. Les notes ne sont pas là, mais on sent qu'elle est quand même allée jusqu'au bout. Lilou Balin qui va effectuer un salto et demi arrière en position carpée. Donc elle va partir de l'arrêt au bout de la planche. Il faut savoir que chaque plongeon a un numéro. Il y a les plongeons avant. En fait, il y a 4 sens de rotation et une vrille. Oh. Suite à ça, en fait, il y aura les plongeons en avant qui seront numérotés 100, les plongeons en arrière 200, les plongeons renversés qui seront 300 et les plongeons en retournée 400. Les plongeons avec une vrille seront indiqués avec un 5, 5000, et ensuite on mettra le deuxième chiffre et ce sera le sens de rotation que j'ai énuméré avant. Donc 1, 2, 3 ou 4. Morgane va actuer 105B, donc double saut périlleux demi avant exécuté en position carpée. Comment je sais que la position sera en carpée? Car la lettre qui précède le. Qui suit, pardon, le numéro est B. B qui est égal à une position carpée. C qui sera une position groupée. D qui sera une position libre et A qui sera une position droite ou tendue. Nice gilet, salto arrière, 1,5 arrière avec. Pardon, 1,5 arrière en position carpée. Donc elle va partir de l'arrêt aussi. Nice est très sereine sur les plongeons de l'arrêt. Elle se repère très bien, elle a beaucoup de force. Maintenant, il faudrait pas trop en mettre. C'est la finale, on a souvent envie d'en faire plus. Ah, voilà. C'est dommage, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Elle en veut, Naïs. Malheureusement, quand on a trop d'énergie, des fois, il est difficile de contrôler. Elle est partie un petit peu avec les épaules vers l'arrière. Le plongeon ne devient pas incontrôlable, mais difficile à contrôler. Donc malheureusement, elle est passée sur le ventre. C'est pas grave, il reste 4 points. Il reste donc 3 plongeons pour se récupérer. Jade Gillet, notre spécialiste du 10 mètres qui va effectuer double saut périlleux et demi avant en position carpée. Jade qui est très forte sur ses entrées à l'eau. Voilà, excellent. Elle a pris un peu de distance mais on a une vraie finition. Je pense que les notes vont pouvoir sortir. Elle n'est pas aussi puissante que Naïs ou Michel par exemple. Mais elle compense ses lacunes par ses finitions et son élégance. Voilà, Madeline va effectuer la première vrille du concours. Donc je vous le disais, 5331D. Ça veut dire que ce sera un salto et demi renversé avec une demi-vrille. Elle va donc partir vers l'avant pour tourner en arrière avec une demi-rotation. Ouais, excellent. On a un très bel appel sur la planche. Il manque un petit peu de hauteur, mais voilà, le plongeon est là, le plongeon est terminé, le plongeon est bien exécuté. 7,5, total du plongeon 46,20. Michel Heinberg, double saut périlleux demi avant, carpé.
Michel qui va effectuer le même plongeon que Jade juste avant. Donc un double saut périlleux et demi avant en position carpée. Voilà, Michel qui a souvent des très bonnes trajectoires avec une très belle hauteur. C'est quelqu'un qui montre que les plongeons sont faciles et donc les notes sortent très vite en général. Voilà, le plongeon est très bien réalisé. Elle était un petit peu en déséquilibre sur la droite de la planche. Elle a réussi à se récupérer. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait comment s'adapter. Donc voilà, elle a limité la casse et elle a vraiment bien fait son travail. Là, on peut observer le classement au bout de deux séries de plongeons. Pardon. Donc Michel qui est en tête, Jade Gillet en deuxième position et Madeline. Donc il y a les deux athlètes suisses qui sont sur le podium, Jade qui est entre les deux. Maintenant, comme je le disais, c'est le concours de 1 mètre des dames. Ça peut aller très vite, ça va être un peu la guerre parce que les totaux de points vont souvent être les mêmes. Donc voilà, jusqu'au bout, le plongeon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il reste 3 tours, il reste plus de la moitié de la compète, rien n'est gagné. Caroline Lecoeur qui vient d'effectuer un salto et demi arrière en position carpée. 5 et demi, 5 et demi, 5, 4 et demi, 4 et demi, 5, 5 et demi. Total du plongeon, entre 5 points, 62. Ilou Balin qui va effectuer un saut périlleux et demi renversé en position groupée. Donc elle va faire un appel sur la planche et elle va partir en rotation arrière en allant vers l'avant. Souvent on appelle ça coup de pied à la lune. Mais au plongeon, ce sont les plongeons renversés. Super Lilou, bon c'est très bien, elle a fait un très bel appel. Moi je m'entraîne avec elle, donc je sais de quoi elle est capable. Elle a fait un très bel appel, elle fait un très bon plongeon. Voilà la fin, qui malheureusement passe un petit peu sur le ventre. Donc les juges n'aiment pas ça. Un bon plongeon, c'est un plongeon arrêté et sans éclaboussure. Forcément, si les jambes passent sur le ventre, si le corps passe un petit peu sur le ventre et que le plongeon n'est pas arrêté, les juges vont fortement baisser le total de points à la fin, mais le plongeon était très bien réalisé, il manquait pas grand chose. Un et demi arrière carpé pour Morgane. Super, très bien. Il manque un petit peu de hauteur, la trajectoire pourrait être plus haute, mais voilà, on a un plongeon qui est arrêté, qui est terminé. Si les notes ont du mal à sortir à plus que 6,5, c'est parce qu'il manque un peu de hauteur et de confiance. Maintenant, le plongeon reste très bien réalisé. Naïs Gillet, qui va nous montrer de quoi elle est capable sur renversé, c'est son plongeon. Elle l'a déjà très bien fait en compétition internationale. Elle est vraiment très à l'aise dessus. Maintenant, c'est le moment de montrer que Naïs elle est présente dans le concours. Voilà, une très belle hauteur, c'est bien. Oui. Voilà, donc Naïs, elle a pu réussir son plongeon avec brio. Donc voilà, elle peut être très contente d'elle. Voilà, les notes sortent. Il y a beaucoup de hauteur, il y a vraiment de l'énergie chez Naïs Gillet. C'est une des grandes qualités qu'elle a. Donc, félicitations. Jade qui va faire 1,5 arrière en position carpée. L'objectif, ça va être d'être le plus proche de la planche, mais pas trop près non plus, car sinon on perd des points. Oui, là c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça passe un petit peu sur le ventre, comme on a pu le voir. Donc les notes vont être un petit peu. Voilà, ça dépassera pas le 7, mais on a quand même envie de mettre une bonne note parce que la finition est là, le plongeon est quand même bien réalisé. Mais voilà, si on veut aller chercher le cran au-dessus, il faudrait un tout petit peu plus de hauteur et un plongeon arrêté, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, ça reste quand même très 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 bien. Madeline sur le même plongeon. On va pouvoir comparer les deux athlètes.
Ah, c'est dommage. Madeleine avait du coup cette hauteur et cette trajectoire. Malheureusement, elle a ouvert trop tard. Donc, elle est passée sur ventre. Donc, elle n'aura pas les mêmes notes que Jade. C'est dommage parce que si son plongeon avait été arrêté, les notes seraient sorties, mais il manquait pas grand-chose encore une fois. C'est dommage. Michel Aimbert, même plongeon. Michel, même plongeon. À la hauteur, voilà. Et ben Michel a encore confirmé qu'elle maîtrisait son sujet, hein, elle a bien révisé la hauteur, la trajectoire, la finition, il y a tout. Donc quand on prend un 8 à 1 mètre, c'est que vraiment on est sur du très très haut niveau. C'est difficile d'aller chercher des grosses notes et de s'exprimer sur une hauteur comme le 1 mètre parce que on n'a pas beaucoup de hauteur, on n'a pas beaucoup le temps d'exécuter nos figures, donc c'est vrai que ça va très vite. Et ça, pour le coup, le 3 mètres et le 10 mètres sont des disciplines qui voilà, nous permettent de prendre un peu plus notre temps, d'être un petit peu plus d'être un peu plus aisé sur tout ce qu'on, sur tous les mouvements qu'on peut faire. Le 1 mètre, ça va très très vite, mais c'est une hauteur qui reste très intéressante et une bonne hauteur de préparation pour le 3 mètres, par exemple. Très bien. Voilà Caroline qui a effectué un carpé renversé. Donc c'est un plongeon relativement simple. Souvent dans les compétitions jeunes, ils sont utilisés en tant qu'imposés. C'est des plongeons qui sont très importants, c'est des plongeons de base qu'il faut répéter à l'entraînement tous les jours, beaucoup de fois, pour pouvoir régler les plongeons plus difficiles. Et c'est vrai que c'est un gros travail. Et si on arrive à bien maîtriser ces plongeons relativement simples, entre guillemets, Et ben pour la suite, en fait, les plongeons plus difficiles seront plus accessibles et beaucoup mieux réalisés. Ah, c'est dommage, Lilou, c'est très bien, elle a vraiment fait l'effort. Elle a le sourire, je suis content, c'est bien. Lilou, elle n'avait pas l'appel parfait, mais elle fait son concours, elle va jusqu'au bout, je pense qu'elle va tout donner. Il reste encore un plongeon pour s'exprimer. Il va falloir lâcher les chevaux. Ok, les plongeons renversés souvent en compétition, c'est les plongeons qui sont un peu redoutés. C'est les plongeons sur lesquels les podiums se jouent. C'est plus difficile à maîtriser, mais pour certains, ça se passe bien. Voilà, Morgane qui passe un petit peu sur ventre, comme je disais, pas très bien arrêté, mais voilà. Il y a de la hauteur, le plongeon réalisé. Alors on va observer Naïs sur sa vrille avant. Elle va effectuer saut périlleux et demi avant avec une vrille. Et donc on va voir son appel. C'est quelqu'un qui est très puissant, qui va très haut. Qui met beaucoup d'énergie dans ce qu'elle fait, on va pouvoir l'observer tout de suite. Ouais. Voilà, beaucoup de hauteur, c'est impressionnant. Naïs a des bonnes trajectoires, elle était quand même un petit peu vers l'avant, ce qui l'a fait passer un petit peu, les talons touchent l'eau à la fin. Mais elle va quand même prendre des très bonnes notes, voilà. La hauteur est beaucoup pris en compte dans les compétitions planches. Quand je dis compétition planche, je parle du 3 mètres et du 1 mètre. Voilà. Plus on aura de la hauteur, plus notre plongeon va être valorisé parce qu'on va montrer qu'on est facile et qu'on a de l'aisance sur ce qu'on présente. Donc Jacques Gillet sur renversé, voilà, c'est là que se joue la compétition. C'est solide ça, Jade, c'est très solide. Vraiment, elle fait un super concours. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer qu'on est solide, qu'on est serein. Elle va pas prendre des 7,5-8 parce qu'il manque un petit peu de hauteur. Maintenant, le plongeon est superbe. Donc voilà, elle reste dans la course.
J'ai pas trop bien vu de l'angle que j'avais. Je pense que le plongeon était un tout petit peu proche. Ça veut dire que les épaules... On va voir au niveau des notes. Voilà, 5. Pourquoi 5 parce qu'en fait, il y a les épaules qui passent un peu derrière la planche au moment de l'appui et de la sortie de planche. Et du coup, elles passent un peu sur le ventre aussi. Les juges sont très sensibles à ça. Il faut plonger à bonne distance. Plonger à bonne distance, c'est ne pas être trop loin, donc finir au bout du bassin. Et ne pas frôler la planche. Il faut à peu près une quarantaine de centimètres pour considérer qu'un plongeon est à bonne distance. Ah, Michel, très facile sur ce plongeon. Elle est un peu en difficulté sur le contrôle. Elle allait passer. L'expérience a parlé parce qu'elle a réussi à retenir son plongeon. Les notes seront peut-être pas très hautes ou vont peut-être être un peu abîmées, mais il faut savoir que réaliser comme ça avec la hauteur qu'elle a, elle aurait pu faire bien pire. Elle a vraiment limité la casse, on sent qu'elle a de l'expérience. Donc on a le classement après, alors il reste un plongeon, donc nous avons le classement provisoire, donc voilà, donc nous avons Michel en tête, suivi de nos deux sœurs Gilet, Jade et Naïs. Tout se jouera sur le dernier plongeon, c'est le moment où il ne faut pas craquer, il faut aller jusqu'au bout de son concours, c'est comme ça qu'on sait que, voilà, il faut rester dedans, la compétition on sait très bien ce que c'est, le plongeon c'est assez particulier, c'est assez ingrat parce que bah, la compétition peut durer une demi-heure comme ici, sauf que le temps de passage il est de 3 secondes. Donc il faut mobiliser ce temps d'énergie et l'utiliser à bon escient parce que ça va très très vite. Voilà, Caroline qui finit sur un plongeon très bien, avec un bel appel, elle peut être très contente d'elle. Caroline avec qui j'ai participé à de nombreuses compétitions internationales jeunes, qui s'est maintenant retirée depuis un bon moment. Pardon, j'ai fait tomber mon micro. Caroline avec qui je disais qui j'ai fait beaucoup de compétitions internationales, qui s'est retirée depuis longtemps, qui s'est entraînée aux États-Unis. Voilà, elle a un beau parcours, Caroline, on peut la féliciter, c'est vraiment très bien. Elle est licenciée au club de Lyon Plongeon depuis toujours, je crois. Donc voilà, c'est une vraie plongeuse des... Bien, Lilou, c'est très bien. Donc notre petite cadette du concours qui a réalisé voilà, un concours relativement correct. Elle avait fait plus de points aux éliminatoires, elle était à 200 points, là elle a perdu un petit peu. Voilà, c'est le métier qui rentre, Lilou, donc ne t'en fais pas, ton heure viendra. C'est un bon plongeon de la part de Morgane. Elle part un petit peu sur la gauche et il manque un petit peu de hauteur. Elle part vite. Ça veut dire qu'en fait, elle va réaliser son plongeon à hauteur de la planche au lieu de prendre de l'élan et d'aller chercher la hauteur et la trajectoire vers le haut. C'est pénalisé. Maintenant, le plongeon reste. Le plongeon est fait. Il y a une finition. Donc, on sort d'ici. Naïs, qui finit par un coefficient plus gros que les autres. Voilà. Un plongeon avec un appel en plus. Très solide sur ce plongeon, Naïs. Elle arrive à rattraper tout un concours grâce à ça, donc on va voir de quoi elle est capable. Hauteur magnifique, c'est super. Naïs a fait un très bon plongeon. Elle part un petit peu avec les fesses, ça la rapproche un petit peu de la planche. Les jambes ne passent pas très loin, mais voilà, elle a confirmé. Elle est au bout de son concours. Voilà, 54 points, c'est vraiment solide. Elle a fait 239 au total, voilà, c'est les points pour les championnats d'Europe, elle peut vraiment être fière d'elle. Dernier plongeon pour Jade Gilet, pareil, il faut rester dedans jusqu'au bout si on veut pouvoir rester dans la course et pas sortir à tout moment. Ah, c'est excellent, c'est un super plongeon. Pareil, il manque un petit peu de hauteur, mais voilà, c'est très joli, c'est très bien réalisé. Voilà, elle peut vraiment être contente de ce qu'elle a fait. 7 et demi, 7.
Voilà, donc on est sur un total de 250 points. C'est vraiment très solide. Il me semble que c'est les points pour les championnats du monde. Voilà, c'est très très solide de la part de Jade. C'est un concours qu'elle n'appréhendait pas forcément. Et elle a réussi à sortir son épingle du jeu parce qu'elle est spécialiste du 10 mètres. Donc voilà, c'est vraiment très 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 bien de sa part. Madeline, dernier plongeon. Un gros coefficient aussi, très belle hauteur. Ah, c'est dommage la fin, punaise. Il lui manquait pas grand chose parce que là, elle a la hauteur. Elle tombe bien, elle se laisse surprendre à la fin. Donc en fait, le corps passe sur le dos. C'est dommage, regardez. Hop, voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là, elle avait tout ce qu'il faut pour réussir son dernier plongeon. Et elle avait la hauteur, elle avait la trajectoire, voilà, elle se laisse surprendre. Souvent c'est ça, il faut pouvoir s'adapter, mais ça va très vite le plongeon. C'est un sport qui va à fond la caisse, donc c'est vrai que ça reste difficile. C'est l'expérience qui rentre, hein, de tous les concours qu'on va pouvoir faire tout au long de notre vie. Ce sera de l'expérience, il faudra s'en servir pour les compétitions qui suivent. Michel, dernier plongeon. Il va falloir qu'elle confirme. Saut périlleux et demi renversé avec une vrille et demi. Très bel appel, très belle hauteur. Oh, c'est très bien, c'est très bien. C'est un peu short. Ça veut dire qu'en fait, pour finir son plongeon, elle aurait pu aller chercher une verticale un peu plus prononcée. Mais le plongeon est très très bien. Voilà, 7,5, 7, c'est, voilà, c'est excellent. Félicitations à elle. Elles nous ont offert un super concours. J'attends les résultats à l'issue du plongeon de Michel. Je pense qu'ils vont sortir dans quelques instants. Donc voilà, félicitations à l'ensemble des filles de ce concours dans cette finale du 1 mètre. Michel qui a dominé cette compétition. Jade et Naïs qui sont sur le podium international, donc c'est super. Voilà, les deux ont réalisé leur totaux de points pour les championnats d'Europe. Je crois même que Jade a réalisé les points pour les championnats du monde. Donc voilà, c'était un très beau concours. Faut savoir que Naïs, elle... a beaucoup d'expérience, je pense qu'elle en a encore un petit peu sous le pied. Jade peut être vraiment très fière d'elle. Elle est spécialiste du 10 mètres, elle a participé au concours du 1 mètre pour faire de la compétition parce que avec le Covid on a de moins en moins de compétition, il faut pouvoir en avoir un petit peu dans les jambes. Elles n'ont pas eu de chance ces sœurs parce que depuis qu'elles ont commencé le plongeon en 2018, c'est très récent, c'est des anciennes gymnastes reconverties dans le plongeon. Maintenant il y a eu le Covid, des compétitions annulées, donc elles n'ont pas pu en manger beaucoup de la compétition, c'est dommage. Mais malgré ça, elles sont présentes. C'est des filles qui ont, voilà, je veux dire, 18 points derrière Michel. C'est pas dégueu du tout parce que bon, on a quand même une finaliste olympique devant les filles. Donc voilà, elles n'ont pas à rougir. C'est vraiment un très très beau concours. Elles peuvent être vraiment fières d'elles. C'était magnifique. En tout cas, moi je vous retrouve tout à l'heure pour le concours du 3 mètres messieurs, donc pour la finale. Je commenterai mes collègues parce que j'aurais aimé être dans cette finale. Malheureusement, je suis blessé aujourd'hui. J'ai dû me faire opérer il y a 2 semaines de l'épaule parce que ça faisait un moment que j'avais des petites douleurs. Il a fallu que je passe par là. Maintenant, je suis là pour encourager les copains. Je suis content de pouvoir commenter leur compétition. Donc voilà, ça va être bien, on va passer un bon moment ensemble.
J'espère que tout est clair, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure et je vous dis bon visionnage sur ce live de la FFN. Ce live vidéo et amis auxquels nous donnons le bonjour, entre autres au président du Lyon Plongeon Club qui a dû regarder l'événement, monsieur Martin Monnier. La cérémonie protocolaire des remises des récompenses va débuter dans quelques instants.
Nous allons faire le classement du concours élite. Quelques instants de patience, s'il vous plaît, pour la remise des récompenses. Remise des récompenses pour la catégorie élite dame. Remise des récompenses pour le classement français. Alors, Naïs Gillet, Lilou Balin et Zoé Jules voudront bien se rassembler avec Michel Heimberg, Jade Gillet, Naïs Gillet, Morgane Herculano pour la remise des récompenses, s'il vous plaît.
en troisième position sur ce podium. En classement français, Morgane Herculano, médaille de bronze. Qui fait les remises des récompenses, s'il vous plaît ? Quelques instants de patience, s'il vous plaît. Les récompenses seront remises par Madame Nathalie Biss, organisatrice de ces championnats et membre du Cercle des compétences plongeons de la Fédération française de natation, assistée par Clémence Beg, qui est l'assistante du département plongeon de la Fédération française de natation. En médaille d'argent de ce classement français, Daïs Gillet de la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Et première médaille d'or, championne de France, Jade Gillet de la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Bravo, mesdemoiselles. On les applaudit un petit peu, s'il vous plaît. Et dans le classement open, sur le podium, en première position, Michel Heinberg du Lausanne Natation de nationalité suisse en qualité d'invité. Voici le classement pour la catégorie des jeunes.
Mesdemoiselles Zoé Jules, Lilou Balin et Naïs Gillet voudront bien se préparer pour la remise des récompenses de la catégorie des jeunes moins de 20 ans de ce concours élite en catégorie France. En troisième position sur ce podium, Zoé Jules, championne de France junior de l'Olympique Nice Natation, médaille de bronze. Les récompenses sont remises par Monsieur Daniel Azorine, membre du cercle de compétences de la Fédération française de natation pour le plongeon, assisté par Madame Nathalie Biche. Médaille d'argent de ces championnats juniors, Lilou Balin de la Bio Grand Air de Saint-Maur. Et médaille d'or, Naïs Gillet de la Bio Grand Air de Saint-Maur. Bravo, mesdemoiselles. Cher public, le dernier concours de cette soirée pour cette première journée des championnats. Ce concours débutera dans quelques minutes à 18h. Il s'agira de la finale élite messieurs au tremplin de 3 mètres. Finale qui récompensera bien entendu les 3 premiers, mais qui récompensera également les 3 premiers jeunes âgés de 20 ans et moins, que l'on appelle la catégorie des juniors.
Cher public, dans quelques minutes, vous allez assister au dernier concours de cette soirée de première journée. La finale du tremplin de 3 mètres, messieurs, élite. Comme tout à l'heure, lors de la précédente épreuve, le live vidéo retransmettra en principe les commentaires d'Alexis Gendard, plongeur international qui a fait les Jeux Olympiques de cet été à Tokyo, qui vous commentera le concours. Ce commentaire ne sera pas évidemment audible pour la piscine. Vous entendrez uniquement les annonces de votre serviteur. Les concurrents voudront bien se rassembler, s'il vous plaît, pour la présentation. Présentation des concurrents pour cette finale du tremplin de 3 mètres, messieurs. Et on les encourage, s'il vous plaît. Et on les encourage par quelques applaudissements, s'il vous plaît. Plongeons et partirons dans l'ordre. Messieurs, Thibaut Bûcher de Lausanne Natation, de nationalité suisse, en qualité d'invité. Noah Baumgartner de Lausanne Natation, de nationalité suisse, en qualité d'invité. Cyprien Mensier du Lyon Plongeon Club. Gwendal Bisch du Team Strasbourg. Et Jules Bouillet du Lyon Plongeon Club. Merci, messieurs. Non, je passe en secours. Voici la composition du jury. Juge arbitre, monsieur Michel Boussard. Juge numéro 1, monsieur Bernard Pierre. Rectification. Juge numéro 1, madame Katia Mazanik. Juge numéro 2, monsieur Gérard Rieux. Juge numéro 3, monsieur Daniel Azorine. Juge numéro 4, madame Isabelle Coquet. Juge numéro 5, monsieur Bernard Pierre. Juge numéro 6, monsieur Benoît Suzanne. Et juge numéro 7, monsieur Alexis Coquet.
Aux ordres du juge arbitre, monsieur Boussard, vous pouvez faire démarrer cette finale quand vous voulez. Début du concours, première série de plongeons. Thibaut Bûcher de Lausanne Natation, de nationalité suisse, double saut périlleux et demi retourné, exécuté en position carpée. Coefficient de difficulté 3. Sept et demi, 7, 6, 6 et demi, 7 pour chacune des trois autres notes. Total du plongeon, 63 points. Noah Baumgartner, de Lausanne Natation, de nationalité suisse. Double saut périlleux et demi avant avec une vrille. Le plongeon est exécuté en position carpée et son coefficient de difficulté est de 3. Cinq et demi, quatre et demi, cinq, cinq, quatre, quatre, quatre. Total du plongeon, 40,50. Cyprien Mencier, du Lyon Plongeon Club. Double saut périlleux et demi arrière, carpé, coefficient de difficulté, 3. Six, cinq et demi, quatre et demi, cinq, quatre, cinq et demi, cinq et demi. Total du plongeon, 48 points. Gwendal Bisch, du Team Strasbourg, double saut périlleux et demi arrière, carpé, coefficient de difficulté, 3. Six et demi, cinq et demi, cinq, six et demi, six, six et demi, six et demi. Total du plongeon, 57 points. Jules Bouillet, du Lyon Plongeon Club. Triple saut périlleux et demi retourné, exécuté en position groupée. Coefficient de difficulté, 3,4. Rebonsoir à tous, désolé pour ce retard, j'étais en fait j'étais sollicité pour participer à suivre les athlètes pour un contrôle antidopage à la fin de la compétition. Donc voilà, donc il y a des contrôles qui sont faits pendant les championnats de France et il faut des gens pour surveiller ça. Voilà Jules, superbe plongeon, voilà c'est excellent. Je prends en cours de route, hein, je suis désolé, je vais essayer de faire mon maximum. En tout cas Jules, très très solide premier plongeon là, ça va payer, ça va faire des points, c'est du gros coefficient. Aux éliminatoires, ça a pêché un petit peu les prix 4,5. Donc là je pense qu'il va y avoir des grosses notes. Donc Jules Bouillet et Gwendal Bisch avec qui je m'entraîne toute l'année, qui sont mes partenaires d'entraînement. Cyprien Vous voudrez bien ressaisir votre note, s'il vous plaît. Cyprien Ménéchier qui s'entraîne lui à Lyon, qui est aussi un international qui a participé au championnat du monde junior à Kiev avec Naïs et Jules. Donc Jules Bouillet qui vient de passer, qui est l'actuel champion du monde à la hauteur de 1 mètre chez les juniors, qui va faire ses débuts dans les compétitions internationales seniors à partir de cette année. Donc voilà, c'est un petit jeune qui promet, qui a beaucoup d'avenir et qui envoie du lourd déjà maintenant. Donc
Voilà, on va l'attendre sur les compétitions internationales seniors. Ça va être un grand moment. Je pense qu'il a, il a beaucoup à faire et beaucoup d'expérience à aller chercher. Voici les notes. 8, 8, 8. Voilà, donc 8 80 points sur un plongeon retourné, c'est très solide. Voilà, Jules 8, qui est monté d'un cran par rapport points. À ce matin. Je pense qu'il a au moins pris le double de points. Donc, deuxième c'est, série c'est de vraiment, plongeon. C'est vraiment Thibaut Buchet. Triple saut périlleux et demi avant, exécuté en position carpée. Coefficient de difficulté, 3,1. Donc nous aurons 5 participants dans cette finale, dont 2 athlètes suisses en tant qu'invités qui participeront au podium du classement international. Voilà, un plongeon très solide, bien arrêté. Il manque un petit peu de fermeture, mais voilà, c'est un très beau 3,5 en carpé. Une belle finition, je pense qu'on peut être sur un 7,5. 5,5, 6,5, 6,5. Je vois pas de profil. Le plongeon, malheureusement, je suis de face. Donc je pense que le plongeon était un petit peu loin. Le plongeon, s'il est loin, il est forcément pénalisé. Comme je le disais à la hauteur d'un mètre tout à l'heure, la distance réglementaire, c'est pas d'être au milieu du bassin, mais à peu près à 40 voire 50 cm de la planche. Si on est trop proche, c'est dangereux. Si on est trop loin, c'est pas bon. Donc, aïe. Donc plongeon raté pour notre ami Noah qui a dû faire une petite faiblesse dans l'appel. Il n'a pas réussi à terminer son plongeon. 0, 1, 1 et demi. Les mains ont quand même touché les mains ont quand même touché l'eau avant les pieds. Ça veut dire qu'il ne prendra pas 0. Donc il aura au moins un demi-point, voire 2 points, vu que les mains ont touché avant les pieds. Si les pieds avaient touché avant les mains, il aurait eu un total de 0 points. Cyprien du Lyon Plongeon Club de Nuremberg Carpé. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il part en fait avec le ventre et en fait il n'arrive pas à terminer son plongeon. Cyprien, parce que il est parti devant. 3, un deux peu et relâché. Demi, deux et demi, donc trois, il part au-dessus de la planche demi, au lieu d'aller chercher une trajectoire vers le haut. Et demi. C'est difficile à aller chercher et si le corps relâche à la fin, on est complètement sur le dos. Gwendal Bich. Qui va nous faire. Un double plongeon saut périlleux et demi avant avec des vrilles. Le plongeon est donc il y a double et demi avant avec deux vrilles. C'est un plongeon qui maîtrise très bien. Il l'a abîmé aux éliminatoires, mais c'est un plongeon sur lequel il est très solide à l'entraînement depuis de nombreuses années. Donc Gwendal, vends-nous du rêve et montre-nous de quoi tu es capable. Voilà un très bel appel. Les vrilles. Voilà. Super plongeon pour Gwendal. C'est un très bon plongeon. La poitrine ressort, ça veut dire qu'en fait il n'a pas réussi à s'aligner. 8, je pense que si s'aligner, prenait 9. 8, c'est vraiment un très beau plongeon pour Gwendal. 8 et demi, 8 total du plongeon, 83,30. Jules Bouillet. 3,5 avant carpé. Demi avant. En le position, plongeon est exécuté en position carpé. Coefficient de difficulté, 3,1. Donc Jules, c'est quelqu'un qui doit maîtriser ses appels, qui doit prendre de l'expérience sur la planche. Il est souvent hésitant, mais quand il réussit, c'est un petit mec qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Voilà, donc beaucoup de hauteur. C'est très beau, ça, Jules. Voilà, super. Ça finit un petit peu bas, mais le plongeon est très bien réalisé. Je pense qu'on aura des 8, des 7,5. 8, voilà, 8, super. 7 et demi, 8, 8, 8, 7 et demi. Donc Jules qui maintient la tête du concours, suivi de Gwendal et de Thibaut Buchet, notre ami suisse, en troisième position. Vous disposez du classement provisoire sur le tableau lumineux pendant quelques secondes. Donc là on est à deux séries de plongeons, on a fait un tiers de la compétition. Une hauteur à 3 mètres, c'est... ça va très vite, ça veut dire... enfin ça va très vite dans le sens où... on peut, si on rate, les points dégringolent à fond la caisse. Donc en fait, il faut vraiment jouer sur de la régularité. Réaliser des plongeons peut-être plus simples, mais qui sont maîtrisables. Maintenant, on est sur des athlètes comme Jules et Gwendal qui ont beaucoup d'expérience et qui vont pouvoir sûrement tenter des gros plongeons. On va voir de quoi ils sont capables. Notre ami, c'est Thibaut. 2,5 à arc carpé. Fixé un tout petit peu haut, donc il va passer sur le ventre. Ça vaut cher, c'est un plongeon qui n'est pas arrêté malheureusement. C'est dommage parce que voilà, il a la capacité de faire deux tours autour de la planche. Et quand il ouvre, c'est un tout petit peu tard.
C'est dommage, mais les juges ils sont un peu intransigeants avec ça. Un plongeon, il faut que ce soit arrêté absolument. Et quand je dis arrêté, ça veut dire qu'il doit aller chercher de la verticalité. Si son corps passe la verticale ou qu'il est trop short, un peu posé sur le dos par exemple, le plongeon ne sera pas bon. Noah sur le même plongeon. C'est pas mal. Noah vraiment bien. Voilà, c'est des petits jeunes qui essayent de prendre de l'expérience sur la hauteur comme le 3 mètres. C'est vraiment difficile à apprivoiser une planche. Et se débrouillent très bien. 5, 4 et demi, 5, 5. Total de plongeon, 45 points. Cyprien, notre international junior, qui va réaliser un plongeon avec des vrilles. Donc, double salto et demi avant avec une vrille en position carpée. C'est un plongeon que Cyprien réussit régulièrement bien. Voilà, c'est l'appel, il faut être vigilant. Voilà, t'es solide, Cyp. Et ben voilà, c'est très bien. Voilà, c'est un beau plongeon pour Cyprien. Je pense que ça peut le remettre dans le concours. 6 et demi, 6 et demi, 6 et demi, 6, 7, 6 et demi, 6 et demi. Total de plongeon, 58.50. Gwendal, renversé, c'est comme on dit coup de pied à la lune, souvent c'est le plongeon sur lequel voilà, les compétitions se jouent, le podium ça se joue maintenant, les plongeons en arrière et les plongeons renversés, c'est les plongeons les plus instables, je parle en termes de statistiques, ça dépendra des plongeurs, mais c'est vrai que souvent voilà, ce plongeon s'il est réussi, on est souvent serein sur la suite, donc allez Gwendal, va le chercher, voilà, excellent, voilà, c'était un peu lent, il a voulu contrôler. Il est allé jusqu'au bout de son plongeon, là c'est excellent, donc voilà, des 8 et 8 et demi je pense, voilà c'est super, ça le met vraiment dans la compétition, ça va le mettre en confiance, c'est des plongeons qui sont durs à maîtriser, un certain nombre de temps avant de pouvoir prétendre à le faire correctement souvent, encore une fois voilà, faut aller chercher de la régularité. Jules, même plongeon sauf que cette fois ce sera en arrière. Jules, c'est quelqu'un qui est très serein sur ce plongeon. C'est un plongeon de l'arrêt qui n'est pas difficile à réaliser, mais difficile à contrôler. Très bonne trajectoire vers le haut. Voilà, Jules, très bien. Ah, c'est dommage. Super trajectoire, super hauteur. Hésitant sur la fin. Ça veut dire qu'en fait, il reste un peu sur les épaules. Il est un peu short. La verticalité n'est pas là. Il aurait pu, je pense, aller le finir. Maintenant, on essaye des fois quand les plongeons sont un peu plus simples. On est un peu hésitant, on n'arrive pas à aller chercher cette verticalité parce qu'on pense qu'on va être trop facile ou des fois on se sent un petit peu dans le dur alors que pas du tout. Voilà, il faut jauger. Encore une fois, le plongeon, c'est une discipline qui va très vite. On ne se rend pas compte, mais voilà, un plongeon, ça dure une seconde 7, même pas, je crois. Donc voilà, et encore, le 3 mètres, c'est un peu plus long parce qu'il y en a une phase de montée et une phase de descente. Mais voilà, ça va quand même très 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 vite. Et... la moindre erreur est fatale. Encore une fois renversé, voilà, c'est les exemples, les pieds à la lune. C'est des plongeons voilà, qui sont difficiles à maîtriser. Il faut du temps. Les Suisses sont des plongeurs jeunes qui sont en train de forger leur expérience. Voilà, c'est en faisant ce genre de plongeon que sur les prochaines compétitions, on va pouvoir maîtriser un peu mieux et se rendre compte des erreurs qu'on a pu faire avant. Noah, pareil, même plongeon en position carpée cette fois-ci. Encore un plongeon assez difficile. C'est vraiment dommage. Il manque pas grand-chose, encore une fois, c'est une question de rythme. On a vu que le plongeon, il peut être fait. Il manquait un petit peu d'énergie pour aller finir ce plongeon. S'il avait mis un petit peu plus d'énergie, je pense qu'il aurait pu le terminer, mais il aurait pu aussi se faire surprendre parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de doser le même effort. C'est vrai que ça va assez vite. Cyprien, donc un plongeon en avant. Un plongeon en avant, là, faut vraiment que ce soit arrêté. Donc on va. Allez, Cyp, allez. Ouais, c'est très bien. Le plongeon est arrêté. Mais il reste encore un petit peu, on l'a vu là,
sur les images, il est un petit peu sur la poitrine, donc il est un petit peu sur le ventre. C'est pour ça que les juges ne peuvent pas aller au-delà de 6. C'est parce que même si l'eau ne bouge pas trop, qu'il n'y a pas beaucoup d'éclaboussures, le plongeon, lui, il n'est pas à la verticale. Donc forcément, les juges, ils vont saquer. Donc Gwendal va réaliser un plongeon assez impressionnant. Il va y avoir 3 vrilles et demi. C'est un plongeon qu'il connaît très bien. Sauf que plus il y a de vrilles, plus il y a le risque de bouger à l'entrée à l'eau. Il faut savoir qu'un plongeur, s'il arrive dans l'eau vrillé, il a 0. Donc il faut arriver dans l'axe. Allez Gwen. Vers le haut. Super, excellent. Voilà, donc là Gwen, il va marquer des points. Je pense que s'il prend 8, 7,5, 8, ça peut vraiment faire des points. On va voir, on attend les juges. 8, 6, voilà. 7 et demi. Voilà, donc 80 points, ça fait gonfler le score, hein, ça c'est sûr. Jules, le même plongeon, très impressionnant. C'est des plongeons qui ont beaucoup de coefficients de difficulté. Je le rappelle, les 3 notes restantes, donc celles qui seront en blanc, pas celles qui seront grisées à la fin du plongeon, elles sont additionnées, elles sont multipliées par le coefficient de difficulté du plongeon. Donc là, ce sera 3,5 fois, on va voir. Allez, Jules. Ouais, super. Donc là, Jules a réussi à aller chercher un tout petit peu plus la verticale que Gwen. Donc forcément, je pense qu'il aura des meilleurs points. Il aura sûrement des 8 et demi qui vont sortir. Voilà. Il suffit d'aller chercher une verticale et directement le plongeon derrière, c'est gonflé le score. Donc là, il nous reste 3 notes. On les additionne et on les multiplie par 3,5. Donc Jules Bouillet est en tête, et Gwendal deuxième, Cyprien en troisième position. Donc là je pense qu'au niveau du troisième tour ça se tape la bourre. On a fait la moitié de la compète. Voilà, maintenant faut rien lâcher. La moindre erreur elle nous fait baisser au classement. Et c'est fatal. Ça veut dire qu'à 3 mètres, si on perd des points derrière pour aller les récupérer, il va vraiment falloir s'accrocher. Là, on entame le cinquième tour, il me semble. On a fait les 2 tiers, un peu plus maintenant, il nous reste un peu. Noah qui va faire un plongeon retourné, double et demi retourné carpé. Je l'ai vu tout à l'heure, c'est un plongeon qui maîtrise plutôt bien, comme les rotations en avant. Voilà. Alors il y aura des plongeurs, les rotations en arrière, qui vont être beaucoup mieux maîtrisées que les rotations avant, et d'autres ce sera l'inverse. En règle générale, les plongeons arrière et renversés sont beaucoup plus difficiles à maîtriser, et les coordinations et les rotations avant sont beaucoup plus faciles à aller chercher au début. Ensuite on se spécialise, et enfin aussi en fonction de nos envies. C'est dommage, il baisse la tête au départ, ça veut dire qu'en fait, il part dans le trou, on appelle ça partir dans le trou. Au lieu de se laisser remonter au-dessus de la planche, il baisse la tête et il part au niveau de la planche. Ça veut dire qu'il reste dans son carpé et il passe sur le dos à la fin au lieu de pouvoir contrôler. S'il était allé chercher de la hauteur et une trajectoire, il aurait pu finir son plongeon. Cyprien qui va exécuter le même plongeon. Donc Cyprien qui a eu pas mal de pépins physiques ces derniers temps, des problèmes de genou. Des problèmes au niveau de son genou surtout. Je pense pas qu'il y ait trop d'autres soucis. Mais voilà, il est là, il est présent depuis les championnats du monde. Il continue de s'entraîner au club de Lyon. Avec son entraîneur Fred Parot. Bien, c'est dommage. C'est dommage, bah là, au contraire de Thibaut, il a voulu aller chercher la hauteur. Sauf que il est resté coincé parce qu'il a monté les jambes en même temps qu'il a voulu lancer la rotation. Ça veut dire qu'il a tourné lentement, il est resté coincé et il n'a pas réussi à finir son plongeon. Il était un peu short et les cuisses ont touché l'eau en même temps que ses mains. Gwendal, même plongeon. Gwendal, c'est un plongeon qui maîtrise très bien. Un coefficient de difficulté un peu plus bas par rapport à Jules sur les rotations retournées. Par contre, on est sûr qu'il va le maîtriser. Donc des fois, il vaut mieux miser sur un plongeon. Voilà, excellent. Un plongeon plus simple,
mais mieux maîtrisé plutôt que de mettre de la difficulté. En l'occurrence, Jules a plutôt bien réalisé le sien, donc il a réussi à prendre de l'avance. 8, ah, excellent, 7, c'est super 7, ça. 7 et demi, 8, 7, 8, peut-être bonjour, 67, moins 50. Jules, le fameux plongeon renversé. C'est souvent dans ces moments-là que la compétition se joue, mais Jules est souvent très serein sur ce genre de plongeon. Voilà, excellent. Il va chercher la hauteur, il n'est pas au bout de la planche, mais ça va. Il est allé le chercher, ce plongeon. Il est allé le chercher, c'est vraiment bien. Il n'a pas appuyé au bout de la planche, ça veut dire qu'il était un peu plus dans le dur de la planche. Et donc, pour ressortir, il faut un peu se jeter vers l'avant. Il aurait pu prendre des 8, 8,5, sauf qu'il est bloqué à 7,5 à cause de cet appui dans la planche qui est un peu loin du bout. Jules Bouillet qui est toujours en tête avec Gwendal Biche, suivi par Thibaut Bûcher. Là, ça va être la guerre jusqu'au dernier plongeon, du coup. C'est un vrai spectacle qui nous donne ce soir. J'avoue que j'aurais bien aimé être dans cette finale. Moi, j'ai plus qu'à me réparer pour les rejoindre. Ils font honneur au championnat de France et au plongeon français. C'est super. Félicitations à Thibaut qui termine son concours avec un total de 281,15 il me semble. Il va exécuter le même plongeon que Gwendal et que Jules sur les vrilles avec une vrille en moins. Donc c'est un plongeon normalement qui sait maîtriser. Voilà, c'est très bien. Très bien, une fin qui n'est pas très nette. On ne sait pas si le corps bouge à la fin, elle n'est pas très bien arrêtée. Mais voilà, le plongeon est là, les notes vont pouvoir sortir. C'est un plongeon qui est relativement bien. Total 49,30. Dernier plongeon pour Cyprien. Double et demi avant, carpé. C'est un plongeon qui sait faire, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, maintenant s'il veut aller chercher des grosses notes, c'est un plongeon qui est plutôt simple pour lui. S'il veut aller chercher des grosses notes, il va falloir aller prendre de la hauteur et une vraie trajectoire. Allez, Cyp, la hauteur, sois patient. Voilà, super. Pareil que sur Sabri avant, on sent que la poitrine est un petit peu touche l'eau, donc ça veut dire qu'il est un petit peu sur le ventre. Donc les notes pourront pas aller au-delà de 7, voilà. Mais voilà, bravo Cyprien, 278 points. Tu es en 4e place pour l'instant. Gwendal qui nous sort le quadruple et demi avant, donc c'est un plongeon très difficile avec un coefficient qui est très gros. Voilà, Gwendal l'a pas beaucoup présenté en compète, mais je crois qu'il est capable. Il a bossé à l'entraînement, donc maintenant c'est ton moment. Je te fais confiance, mec. Allez, Gwendal, force pas. Allez, Gwendal. C'est vraiment dommage. Parce que là, il a une hauteur et une trajectoire qui sont superbes. C'est un plongeon qu'il n'a pas beaucoup réalisé. Il n'avait pas trop confiance en lui. Alors qu'il aurait dû. Il aurait dû parce qu'il avait vraiment la place de le faire. Mais en fait, il a baissé la tête à la fin. Il est passé un petit peu sur le dos. C'est vraiment dommage. Je comprends exactement son sentiment. Il doit être un peu déçu. J'ai fait la même en compétition internationale sur le même plongeon. En pensant qu'il est trop difficile pour moi. Et que je vais devoir attendre jusqu'au dernier moment avant de l'ouvrir. Mais en fait, on a la capacité de le faire. C'est vraiment dommage. En tout cas, bravo Gwen. Tu finis avec 428 points, c'est vraiment honorable. Super, Jules. Jules qui va confirmer avec son dernier plongeon qui prend la tête du classement avec...
Voilà, 449 points, c'est vraiment très solide de la part de Jules. Vraiment, félicitations. Il prend son titre de champion de France, c'est vraiment beau. Bravo à lui. Eh bien, je suis fier de ces petits gars. Ils ont fait un beau concours, ils nous ont fait vibrer. C'était top. Merci à eux. J'espère que ça vous a plu, que je commente un petit peu ces championnats de France. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouveaux concours. Monsieur le juge arbitre, vous pourrez siffler la fin du concours. Merci. Premier, termine premier dans le classement général, les classements français, Jules Bouillet du Lyon Plongeon Club avec 449.10, champion de France. On n'entend aucun applaudissement ici. Merci pour lui. Deuxième, vice-champion de France 2022, Gwendal Bich du Team Strasbourg, avec 428.30. En classement général, Open. Troisième, Thibaut Bucher de Lausanne Natation avec 281.15. Troisième du classement français, Cyprien Mencier du Lyon Plongeon Club avec 278.70. Et cinquième du classement général, Noah Baumgartner de Lausanne Natation de nationalité suisse avec 216.05. Pour le classement des juniors, c'est-à-dire âgés de 20 ans et moins, de ce concours, en deuxième position, Cyprien Mencier du Lyon Plongeon Club. Et en première position, Jules Bouillet du Lyon Plongeon Club. Nous remercions notre consultant local, Alexis Gendard, qui fonctionne en doublure avec moi pour les commentaires sur YouTube. Uniquement pour les finales, Alexis Gendard, pour les non-connaisseurs et pour les connaisseurs, qui est plongeur international et qui vient de faire les Jeux Olympiques de Tokyo de l'été passé. Cher public, dans quelques instants, la cérémonie de remise des récompenses. Quelques instants de patience, s'il vous plaît. Nous allons commencer par le classement élite de ce concours des messieurs au tremplin de 3 mètres. Quelques instants de patience, s'il vous plaît.
Gilles Bouillet, Gwendal Biche, Thibaut Bûcher et Cyprien Mensier voudront bien se préparer pour la remise des récompenses. Nous allons commencer par le classement des juniors. En deuxième position, vice-champion de France junior, âgé de 20 ans et moins. Sur le podium, médaille d'argent, Cyprien Mensier. Nous souhaitons voir Cyprien Mensier sur le podium, s'il vous plaît. Les récompenses seront remises par Monsieur Michel Caroum, qui est président du comité départemental de natation du Bas-Rhin. Assistée par Madame Nathalie Biche, qui est membre du Cercle des compétences plongeons à la Fédération française de natation, et de Madame Clémence Beg, qui est l'assistante du département plongeon et qui nous suit dans nos déplacements. En deuxième position, donc médaille d'argent, Cyprien Mensier du Lyon Plongeon Club. Et en première position de ce classement junior, Jules Bouillet du Lyon Plongeon Club également. Remise des récompenses pour le classement élite. En médaille de bronze du classement français, Cyprien Mensier du Lyon Plongeon Club, qui remonte sur le podium. Les récompenses sont à nouveau remises par Monsieur Caram, qui est le président du comité départemental de natation du Bas-Rhin. Assisté par l'infatigable Madame Nathalie Biche, je vous demande de l'applaudir aussi à chaque fois que nous venons ici avec une organisation soignée. En deuxième
rectification. Au titre du classement Open, en troisième position sur ce podium, du club Lausanne Natation, Thibaut Bucher, médaille de bronze. En deuxième position, vice-champion de France, Gwendal Biche du Team Strasbourg. Médaille d'argent. Et en première position, médaille d'or, champion de France, Jules Bouillet du Lyon Plongeon Club. Nous les félicitons pour leur magnifique concours. Très belle prestation. En dépit du faible nombre des participants dû à la reprise après cette calamité sanitaire qui a duré 2 ans, nous avons eu le plaisir de voir 2 très beaux concours cet après-midi en finale. Merci beaucoup à eux. J'espère que dans les tribunes et à distance, devant vos écrans de télévision ou devant vos ordinateurs, vous vous êtes régalés. Cher public, pour rappel, les prochains concours de demain débuteront à 9h30. Il s'agira du concours des minimes filles et garçons au tremplin de 3 mètres. Ensuite, avec les minimes garçons au tremplin de 3 mètres à partir de 10h30. Les garçons cadets au tremplin de 3 mètres avec les filles cadettes au tremplin de 3 mètres. Et à 11h30, l'éliminatoire du tremplin de 1 mètre des messieurs. Pour rappel, vous voudrez bien excuser la qualité de l'éclairage qui est due à une panne du plafonnier central du centre nautique de Schiltigheim pour lequel il y a difficulté à trouver l'origine. Cher public, cette première journée des championnats de France de plongeon hiver 2022 est à présent terminée. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. L'organisation vous souhaite une excellente soirée et vous dit à demain.